ta miséricorde, ô mon Dieu, je veux la chanter tous les jours de ma vie et j'ai hâte de la chanter pour toute l'éternité. Je pourrais dire la même chose de la providence de Dieu. Dieu Père Providence est tellement délicat dans ses interventions. Jésus est tellement délicat, il y a tellement de classe dans sa manière de nous aimer, de passer devant nous, de nous faire miséricorde. Cette délicatesse du Père et du Fils, elle s'appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le Dieu de toute délicatesse. Si tu savais comment j'ai hâte de les rencontrer, probablement toi aussi, bien que je les rencontre à tous les jours, mais j'aurai la joie un jour de les rencontrer pour l'éternité et c'est alors que nous chanterons encore plus. Oui, toutes les nations vont chanter « Grandes, merveilleuses, les œuvres du Seigneur » comme on dit dans la première lecture et le psaume de ce jour. « Chantez au Seigneur un chant nouveau, proclamez ses merveilles. » Eh bien, le message aujourd'hui, c'est juste pour proclamer avec toi les merveilles du Seigneur. Moi, là, mon cœur est encore rempli de joie devant la belle journée que nous avons vécue dimanche passé en la fête du Christ-Roi. Cette heure et demie que nous avons passée dans l'adoration, dans le chant, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, me disait « je dansais de joie dans mon salon ». Puis je sais qu'il y en a d'autres qui ont dansé aussi. Et ce temps de chapelet ensemble, c'était bref. On n'a pas fait des préparations éternelles, mais on a voulu partager notre bonheur de fêter Jésus. Ce n'était pas parfait, mais on était heureux de partager ce moment avec vous. Et le bonheur et la joie de vous lire n'avaient pas de prix. C'est ça les merveilles du Seigneur. La merveille du Seigneur, ce n'est pas la perfection de notre agir, mais c'est ce que Dieu met en nos cœurs et comment il sait nous rassembler. Puis une autre merveille que j'aimerais partager avec toi dans les derniers jours, tu sais, Sœur Jeanne, elle est moins bien de sa santé, puis je suis avec elle un peu plus souvent. Alors, j'avais des choses à préparer, puis j'avais un peu moins de temps que normalement. Et il y a la soirée de ce soir, il y a l'entrée en avant, il y avait la rencontre communautaire, il y avait tout ça. Hier soir, quand je me suis couchée, j'ai dit « Jésus, je vais dormir, c'est la meilleure chose que je peux faire, mais demain matin, j'espère toi aussi que tu vas être au rendez-vous, puis tu vas me dire comment démêler tout ça. » Et j'étais à l'adoration à 6 heures ce matin. Alors, je me suis retrouvée avec le Seigneur, puis dès que je suis arrivée à la chapelle, ça n'a pas pris 5 minutes, je pense que je n'étais même pas réveillée encore. Le Seigneur est arrivé, puis il m'a juste fait comprendre le sourire d'accueil. Puis là, tout d'un coup, j'ai comme tout eu d'un coup pour notre soirée de ce soir, pour l'entrée en avant, pour la rencontre communautaire. Te dire là, la joie avec laquelle je suis sortie de mon adoration. Mon époux était là et c'est pas une adversité, mais dans le temps court que j'ai, dans le travail que j'ai, il était encore là avec moi, à mes côtés, me soufflant au fur et à mesure ce dont j'avais besoin. Il m'a promis qu'il serait toujours là. Il a dit « Occupe-toi de mes œuvres et moi je m'occupe des tiennes. Fais ma volonté, puis tu vas voir, moi je vais te donner tout ce qu'il faut pour la réaliser. » Alors je m'en vais simplement au fur et à mesure faire ce qu'il veut et je compte sur lui pour tout le reste. Et il ne me manque jamais. Et ceci rejoint un petit peu l'évangile de Saint-Luc quand il nous dit « Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper pour votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Ne vous inquiétez pas pour demain,
Moi, je vais m'occuper de vous et je mettrai dans votre bouche, je mettrai au bout de votre crayon, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Je suis avec vous. Dieu est avec nous, il est pour nous, il n'est pas notre adversaire, il est notre allié, il est notre ami, il est l'époux de nos âmes. C'est tellement merveilleux. N'ayons pas peur. Et si tu veux, maintenant, on va aller à la chapelle, le remercier, l'adorer de tout notre cœur. Au revoir. À ce soir. À demain. Au revoir. Thank you.